Allez, tiens, tu veux rire, on est sur une reine 2017. Pas de varroa, hein, mais en même temps, comme tu vois, ça va pas être bien gros. Hein. Et alors, j'avais noté le 8 février, pas de ponte. Eh ouais, reine 2017, j'avais vu la reine. T'es pas de ponte, c'est le risque, hein, les gars. Quand on joue un peu avec dans ma nature. Alors, est-ce qu'on a des abeilles déjà qui sortent ou pas? Il y a rien. Hein. Bon, il y a un vent de zinzin, mais ah, si, une abeille. Allez, on prend les paris. Vivant, pas vivant. 2017, tu te rends compte, 4 ans. Phénomène, ça. Phénomène des cirques, la vieille. Alors, faites vos jeux. Un, la colonie est morte. Deux, la colonie est orpheline. Trois, la reine est là. Ben voilà, tout est joué. Donc, au niveau des abeilles, fin de l'histoire. Encore gagner une partition. Hein? Ben oui. Allez, ça va faire des cadres pour les dessins, tout ça, les gars. J'en ai fait des cadres des miens. Je sais plus. Tiens, un beau cadre sec, là. Ça peut servir. Alors au fond, qu'est-ce qu'on a? Bah rien. Non, c'est une petite pilleuse, hein, ça. Voilà, fin 2017. Hein. Et oui, à un moment. Je veux dire, s'il reste trois abeilles, c'est peut-être même pas impossible qu'on voie la reine. Avoir des mâles là qui prennent. Alors on a du coup 20 morts parce que plus assez d'abeilles. C'est le reste de la colonie, ça. C'est pas des pilleuses. Hein. Bon, dans pas longtemps, on va se faire déglinguer. Hein. Voilà. Voilà. On fait hiverner des vieilles reines. Ça, c'est une qui est passée à travers les mailles. Hein. Voilà, tu as compris l'histoire. Bon, voilà, on va laisser les dernières abeilles vivre leur vie en communauté. Et puis après, bah, ces cadres, la colonie sera fermée. Et les cadres serviront à faire des essences. Hein. Voilà, pour changer les reines, on te dit, t'en as qui le font, t'en as qui le font pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais si tu changes pas tes reines, ben voilà ce qui risque d'arriver. Hein. Tu risques de perdre ta colonie. Hein. Après, faut-il les changer? Raisonnablement, on peut dire que passer 2 ans, des risques de plus en plus. Hein? Allez. Au revoir, Renre 2017. Tac. Eh oui, partie du jeu. Placement des rennes. D'où le fait qu'il faille faire de l'élevage de rennes. Bon, tu peux acheter des rennes, hein. Le 8 mai, il y a le stage initiation en élevage de rennes, hein, sur le site Edoasso, là, association apicolaristée. Voilà, pour ceux qui veulent apprendre. Alors la journée, c'est 80 balles, hein, c'est pas donné, on a les moins chers malgré tout.
C'est quand même 80 balles. Et d'un autre côté, voilà, il y a des intervenants qui vont venir, certains de pas à côté non plus. Ça va être une journée entière. Moi, je vais opérer les pipitous à 4 heures. Peut-être que Titou viendra aussi. Faire une petite apparition pour faire chauffer des merguez. Et puis voilà, on va se marrer, quoi. Mais non, on n'est pas hors de prix, hein, 80 fois la journée. Ça. Il n'y en aura pas d'autres hein, sur 2021, je crois, les gars. Hein, il y a 10 places, il n'y en aura pas de plus, quoi. Hein. Parce que il y a les journées découvertes, il y a le rucher école. S'il faut se lancer dans les journées, là, je dirais, à un moment, je dors plus, quoi, hein, si tu veux. Donc pour l'instant, on n'est pas beaucoup à s'occuper de tout ça. En fin de saison, on ouvrira l'association à des gens qui veulent s'impliquer un petit peu. Hein, et puis voilà, hein, le but, c'est pas qu'on reste trois pèlerins dans le bureau, on va dire. C'est qu'il y ait vraiment le maximum de gens. Et que voilà, voilà. Hein, qu'est-ce que tu fais dans les réserves, toi, voleuse? Ah, c'est une italienne, ça. Italienne, ça. Te volerais ta montre. Bon, allez.